Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Tous les soirs à 18h, vous avez accès à cette émission grâce à Suite FM Guinée, mesdames et messieurs. Les GG sous vous avec notre invité ce matin, Amadou Diallo, que nous n'arrivons pas à joindre, il faut le rappeler, hein, parce qu'il avait dit qu'il allait intervenir patatras, donc comme par magie, on n'arrive plus à le joindre ce matin. Ben, on espère en tout cas se rattraper un peu plus tard, peut-être dans le journal de 18h, avec la rédaction politique de Radio Espace. Nous a rejoint dans ce studio M. Salif Camara, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Les GG. Merci beaucoup. Il faut le rappeler, hein, vous êtes du FSPE, voilà, il faut le rappeler. On essaye de comprendre ce matin, hein, en ce qui concerne évidemment cette actualité. Vous la vivez avec nous, hein, depuis ce week-end. Vous avez vu un peu ce qui s'est passé, hein, dans Conakry. Madame Yoro le rappelait tantôt. Vous êtes, je ne vais pas dire fin prêt pour aller à la grève, si on peut se dire ainsi. Comment ça va ce matin? Ok, je vous remercie. Je salue et je remercie vos millions d'auditeurs. Je remercie toute l'équipe de la Grande Gueule. Ouais. Vraiment, votre mission est noble. Ce matin, j'aborde ce sujet avec beaucoup de tristesse et mécontentement. Ouais. Parce que nul ne peut comprendre que un gouvernement, n'est-ce pas, en 2019, pour un rappel, en 2019, il y a eu une augmentation de 8 000 à 9 500. Il n'y a pas eu de mesure d'accompagnement. Ouais. Et maintenant, là, ils veulent encore augmenter. Le gouvernement veut faire une augmentation. Encore, sans mesure d'accompagnement. Ouais. C'est ce qui nous a choqués. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, vous avez étalé tous les problèmes vous dont basez, les fonctionnaires vous basez sur et les spéculations pour le moment, M. Camara. Il faut le rappeler, c'est très important parce qu'il n'y a pas d'augmentation, à ce que je sache, pour l'instant. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut se le dire parce que c'est sûr, c'est le sujet est très sérieux dans la cité. Aujourd'hui, nous, les enseignants, vous savez bien sûr que les enseignants n'ont pas d'autres sources de revenus. Nous ne comptons que sur notre salaire. Et aujourd'hui, vous savez bien pertinemment que, n'est-ce pas, la vie de la population est liée, bien sûr, au prix, n'est-ce pas, du carburant. Oui. Parce que dès que le carburant, le prix augmente, automatiquement, le marché, autre chose. Ouais. Bien avant le mois de carême, il y a une augmentation, n'est-ce pas? Le pain de 2000 est monté, 1500 est monté à 2000 francs. De 3000, 4000 francs. Camarade, oui. Vous êtes de la CNTG, votre fédération est affiliée à la CNTG. Dites-nous comment le syndicat gère ce problème. Parce que nous apprenons qu'il y a une rencontre en vue entre Alpha Condé et votre centrale. Pourquoi vous n'y êtes pas et comment est-ce que vous en discutez à l'interne? Parce que là, ce sont les travailleurs qui vont en pâtir finalement. Bien, je vous remercie pour cette question. Pour le moment, je ne suis pas informé par rapport à la rencontre du président et la centrale et le président de la République. Mais ce que je voudrais dire, que nous avons compris dans le mouvement syndical qu'il y a des personnes très sournoises. Il y a des personnes aussi qui sont des dissimulateurs. M. Camara, parlons-en. Donc ces personnes, non. Non, mais il ne faut si, pas aller vite aux besoins. Ouais, parce, mais que là, parce que votre centrale, quand même, la CNTG, est accusée d'avoir été celle qui a empêché, n'est-ce pas, que le combat de 2018 puisse aboutir. La Confédération nationale des travailleurs de Guinée, donc, était allée prendre des engagements au niveau de l'État. C'était d'ailleurs pas une première, d'après ce que les Souma et autres ont dit. Et à l'époque, vous étiez quand même très d'accord, non, sur la démarche qu'avait entreprise Amadou Diallo, qui n'a pas permis qu'on baisse de façon véritable le prix du carburant lorsqu'on disait 8000, c'est bon. Bien sûr, j'étais là en ce moment, mais vous savez, la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation est affiliée à la CNTG. Donc, je suis membre de la Confédération, mais je ne suis pas membre de l'exécutif, du bureau exécutif de la CNTG. Oui. Donc, il y a des questions. Vous ne partagez pas leurs décisions? Bon, en fait, la décision, moi je sais, moi je suis syndicaliste, j'ai mes prérogatives, j'ai mes droits et mon devoir. Mon devoir, c'est quoi? C'est de défendre les travailleurs. Et toutefois qu'il y ait des problèmes à ce niveau, tout syndicaliste ne doit pas rester indifférent. Nous devrons agir ensemble pour que le gouvernement cherche réellement que les travailleurs ont des problèmes. Quels sont les arguments que vous pouvez avancer? Parce que le gouvernement peut mettre en avant beaucoup de... peut dérouler un certain nombre d'arguments, mais vous, qu'est-ce que vous avez en réponse? Ouais. Parce qu'il faut que l'on sache que vous avez de la ressource
en termes d'information, en termes d'impact sur la vie des personnes que vous défendez. Surtout hein, quand vous doutez déjà de vos collègues, hein, parce qu'il faut le rappeler, vous parlez de sournoiserie tout à l'heure, on a reçu beaucoup de syndicalistes dans ce studio. Je sais que ce milieu est miné aujourd'hui, vous n'allez pas me dire le contraire, monsieur Camara. Évidemment, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, en fait, je reviens sur sa question. Oui. Ici, le gouvernement, nous savons que la Guinée, c'est un pays très riche. Nous avons nos ressources minières. Nous avons aussi les taxes, les impôts qui se payent à la longueur de la journée. Ça, c'est un. Deuxièmement, lorsque le carburant, il y a une augmentation de 1500 francs guinéens, n'est-ce pas? Le gouvernement, en ce moment, on ne connaît, il n'y avait pas la pandémie, n'est-ce pas? Donc, le gouvernement a dû encaisser une économie. Alors, maintenant qu'il y a la pandémie, le gouvernement ne mettra pas un argument pour dire qu'il y a la pandémie, il y a eu ça, il y a eu mais ça. Mais qui pour parler avec le gouvernement? C'est la grosse question que Moussa pose ce matin. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Deux élections organisées donc sur fonds propres. Bien sûr. Maintenant, nous savons que la Guinée est dotée des moyens. Nous avons, il y a l'argent dans notre pays. Il y a l'argent. Nous sommes je pertinemment conscients. Je crois ça, c'est un. Abakasuma. Deuxièmement, nous, les enseignants, nous ne comptons que, je viens de le dire, nous ne comptons que sur notre dû. Mais lorsque vous le dites, vous êtes aujourd'hui l'un des meilleurs fonctionnaires payés en République de Guinée, les enseignants. C'est vous qui le dites, hein. Ah bon? Mais je ne suis pas le meilleur payé par rapport à un enseignant. Je dis les enseignants. Les enseignants dans votre, parmi les fonctionnaires guinéens, les enseignants sont les mieux payés aujourd'hui. Bon, là, je n'en sais pas si c'est ainsi. Alors nous, nous dirons que... Parce que nous devrons être encore mieux payés que ça. Ah, d'accord. Parce vous que êtes nous déjà ne comptons bien payés. Que sur le salaire. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les loyers, le logement, quand vous prenez aussi le sac de riz, quand vous... C'est-à-dire qu'on a tellement de problèmes... On ne peut pas citer tout. Et l'enseignant n'a pas où voler. Où nous allons prendre l'argent? Non, si vous en aviez, vous alliez voler. Ceux qui vous prétendez mal payer, ils ont une caisse où ils puissent là-dedans. Si vous en aviez, vous voleriez? Pas du tout. Parce que notre déontologie ne nous permet pas. Quelle question? Alors, Lamine, moi j'aimerais bien lui poser cette question. Est-ce que vous n'êtes pas vite allé en besogne? Parce que vous êtes quand même affilié à une centrale, justement, la CNTG, qui doit normalement rencontrer... Qui est l'interlocuteur. Qui est l'interlocuteur direct. Imaginez que, par exemple, cette centrale puisse prendre une autre décision. Quelle serait votre réaction aujourd'hui? En fait, la CNTG, c'est la centrale mère. Mais lorsque il y a une crise dans la cité, la CNTG ne regorge que des fédérations. Très rapidement, elle devrait convoquer les fédérations pour en discuter, examiner le problème, n'est-ce pas? Et si cela n'est pas fait, moi je suis là en tant que secrétaire général d'une fédération syndicale. Je défends la coopération enseignante uniquement. Bien. Maintenant, la population de l'autre côté, la population aussi. Parce que qui dit enseignant parle des parents d'élèves, parle de la population. Mais aujourd'hui, cette population qui vit très mal aujourd'hui, dont le gouvernement ne peut pas maîtriser le marché, c'est dans tous les pays du monde, c'est ici en Guinée que nous voyons le taximètre peut fixer son prix, le vendeur du riz peut fixer son prix, et l'autre taximètre, mais où nous allons? Il faut qu'il y ait un gouvernement fort, un gouvernement digne du nom, qui est capable de protéger sa population, qui est capable de protéger, n'est-ce pas, les travailleurs. Un travailleur, c'est un noble parmi le peuple. C'est un noble, oui. Est-ce que vous êtes prêt à aller, dans un sens contraire de la décision, de la position que prendrait la CNTG, la centrale à laquelle vous êtes affilié? Ça m'étonnerait que la CNTG va de l'autre côté. Ça va m'étonner. Oui, mais si toutefois... Oui. Nous nous sommes déterminés pour notre corporation. Si toutefois, il n'y a pas de mesures, il n'y a pas, n'est-ce pas, une décision qui puisse, n'est-ce pas, amener le gouvernement, n'est-ce pas, à accompagner les travailleurs sur le plan de conditions de vie, de travail et le niveau de vie de la population, nous nous sommes prêts, nous, à appeler tous les enseignants à rester à la maison. Bien. En ce moment, puisque dans la loi L020-27, et il y a un article qui dit que le droit de grève est reconnu aux agents de l'État qui exercent dans le cadre défini les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Et à la matière, les jours non travaillés pour
faute de grève, ne seront pas payés. On s'en fout de cet article. Bien. Et si toutefois, les mesures d'accompagnement ne sont pas là, nous resterons à la maison. Mais la FSPE aujourd'hui dispose de quelle force vraiment sur le terrain pour... Il ne faut jamais sous-estimer. Non, mais attendez, attendez. Vous avez sous-estimé que Souma ici quand même. Je vous dis une chose, mon frère. Oui. Abaka Souma n'était pas comme ça au début. Bien. On sait comment il est devenu Abaka Souma. Je le réponds tout simplement. La FSPE. La FSPE. Le secrétaire général, il est là. Je le réponds. La Fédération syndicale professionnelle de l'éducation est créée depuis 1945. Mais c'est quand même la plus vieille fédération syndicale de l'éducation. Cadre de ce pays, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous sommes, tous les enseignants sont conscients que nous avons des modes de vie très difficiles, très précaires. Nous tirons le diable par la queue. Au fait, alors aujourd'hui, tous ceux qui savent qu'ils doivent vivre bien, parce que qui parle du salaire parle d'une vie. Alors on ne peut pas laisser notre vie traîner dans la boue. Bien. En aucun cas. Bien. Alors nous allons, à l'heure où nous sommes, nous nous organisons très bien. Ouais. Parce que si le gouvernement, je répète encore et je le réitère, le gouvernement, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Si le gouvernement ne fait pas ça, nous allons dire à tous les enseignants de quitter dans les écoles. Bien. Et il n'y aura pas aussi d'examen. Ça, je vous le dis. Il n'y aura pas d'examen. Bien. Moussa, on va continuer le débat, s'il te plaît, dans un instant. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Le problème, le constat sur le terrain, c'est qu'on a l'impression d'avoir... un peuple résigné, finalement, parce qu'aucune contestation possible, peut-être plutôt la voie pédagogique, et on attend de voir ce que le syndicat peut apporter. On en a un dans ce studio, justement. La question que moi j'aimerais vous poser, à supposer qu'il y ait augmentation aujourd'hui, c'est vrai que vous avez dit les enseignants vont rester à la maison, mais le mal aussi du syndicat en Guinée, c'est cette division, cette fissure qui est visible. Aujourd'hui, vous êtes divisés. Quand nous prenons par exemple le SLEG, on en a deux. Il y a ce bicéphalisme qui est là à tous les niveaux, vous ne vous entendez pas. À supposer que vous veuillez aller à l'encontre de la décision qui sera éventuellement prise par le gouvernement, est-ce que vous pensez que vous allez réussir? Je vous remercie pour cette question, vous savez, et ce que je viens de vous dire, nous avons une mission. Et tout syndicaliste qui sait que tu es là pas pour tes intérêts mais pour les travailleurs de Guinée, je pense que nous ne devrons pas aller vers ceci. C'est eux qui doivent venir pour que nous forgeons ici une force. Pour que, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, surtout nos mamans au marché. Quand nos mamans vont au marché, elles peuvent faire une heure du temps. Parce qu'elles vont marcher fatiguées. Mais pourquoi vous vous combattez? C'est-à-dire, pourquoi vous vous faites la guerre? La question, c'est la division. Il faut qu'il y ait, premièrement, d'abord, non, la question de division. Il faut que la classe ouvrière se réveille. En quoi faisant? C'est en suivant, parce qu'on se connaît, le milieu syndicaliste, on sait les sournois, c'est qui, et n'est-ce c'est pas qui, les dissimulateurs. Qui, les grandes gueules. Bien. Maintenant, les sournois seront dénoncés bientôt. Bientôt. Bien sûr. Alors que dites-vous d'Amadou Diallo, qui est tout de même le secrétaire général de la plus grande centrale syndicale du pays, CNTG. CNTG, mais qui depuis quelque temps a donné sa langue au chat et qui pratiquement n'existe plus sur le terrain. Dites-nous clairement, Amadou Diallo, comment se porte la CNTG? Est-ce que vous allez bien à votre sein? Il est à la caisse de prévoyance sociale. Oui. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Comment se porte la CNTG? La CNTG se porte bien. Mais pas très bien. Ok. Maintenant, nous sommes en train de revoir bientôt le congrès au mois de septembre. Général Amadou, sa personne, il est bien, mais il est lourd. C'est vrai? Il est lourd comment? Il bouge difficilement. Il y a beaucoup de régimes alimentaires pour avoir. Quand je dis qu'il est lourd, il est lourd, c'est grand gueule. C'est-à-dire qu'il bouge difficilement. Je comprends. Donc, nous, en tant que la nouvelle génération, nous essayons de le faire bouger. Ça, c'est un. Deuxièmement, la classe ouvrière doit avoir l'œil de lynx sur le syndicat. Tout syndicaliste qui n'accomplit pas ces prérogatives syndicales, que la classe ouvrière le sache. D'accord. Bien. Vous comprenez? Aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas logés. Les fonctionnaires ne sont pas ravitaillés. D'abord, les deux caisses de prévoyance, c'est-à-dire l'INAMO et la Caisse nationale de prévoyance. Monsieur Camara.
à voir que Antoine le disait tout à l'heure, peut-être que le président reçoit en ce moment même Amadou du côté de la présidence, s'il y a négociation dans ce sens-là. S'il y a les mesures d'accompagnement, oui, chez les enseignants, oui, et les travailleurs en général, mm-hmm, et la population, il, oui, n'y a aucun problème. Voilà. Donc vous êtes apte à ce qu'on augmente le prix si on vous accompagne. Si, hein? Bon, nous ne sommes pas contre une réalité internationale. Oui. Alors, mais il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Bien. S'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, mm-hmm, à ce moment-là. Mais les mesures, c'est seulement pour vous, les salariés. Oui, mais et la population. Bien. Bien. Nos mamans, nos frères. Oui. Mais il n'y a jamais de mesures pour vous. Votre combat, pour votre combat, votre combat, ce n'est pas pour vos mamans, pour vos tantes. C'est pour vous, vous l'avez dit. Le syndicat, c'est pour les syndiqués. Bien. S'il y a mesure d'accompagnement, oui, c'est pour ceux qui perçoivent des salaires. Alors, à cette question aujourd'hui, vous dites, vous avez lu. Non, c'est pas égoïste. Est-ce, bien, que votre combat, c'est pour votre maman, ouais, ou votre sœur qui va au marché? Oui, mais la Guinée. Écoutez, la mesure d'accompagnement dont vous parlez. Si le marché n'est pas maîtrisé, la mesure d'accompagnement dont vous parlez, monsieur Camara, ne servira à rien. La mesure d'accompagnement dont vous parlez, mm-hmm, est-ce que ça sera distribué à tous les citoyens? C'est pas vous? Oui, mais on maîtrise le marché. Bien. Alors, mais ma question, si vous nous avez sorti tout à l'heure un article, vous dites on s'en fout. Oui. Comment comptez-vous vous en foutre? Le gouvernement a ses droits et devoirs. Oui. Le syndicaliste, mm-hmm, a aussi ses devoirs et ses droits. Son droit et son devoir. Oui. Lorsque le syndicat, mais la loi, c'est la loi aussi, accomplit son devoir, monsieur Camara, et que le gouvernement n'accomplit pas son devoir, mm-hmm, nous avons aussi, bien, notre droit de réclamer notre droit. Mais ça, c'est une loi. Mais ça, c'est une loi. Oui, mais c'est une loi. Oui. Mais la loi, c'est contre qui? C'est pour qui? Qui adopte la loi? C'est le peuple. Ce sont les travailleurs. Alors aujourd'hui, si le gouvernement se recroqueville quelque part pour prendre une loi et pour faire adopter ça aux travailleurs, mais où on va? Bien. Aujourd'hui, toute loi qui concerne les travailleurs, il faut que les travailleurs soient associés. Et mais si les travailleurs ne sont pas... Mais je ne suis pas juriste, n'est-ce pas, pour en parler. Mais logiquement, toute loi, n'est-ce pas, il faut associer les intéressés. Bien. Et une loi qui est prise à ton insu, c'est contre toi. D'accord. Alors nous, on ne va pas regarder ça parce que nous avons une vie. Nous avons la vie de notre famille en main. Nous avons la population qui souffre. Alors lorsque notre vie là est menacée, pendant que nous sommes des Guinéens, pendant que nous sommes des fonctionnaires de l'État, si l'État, le gouvernement, le pays est développé, c'est grâce aux fonctionnaires. Si le pays est en avance, c'est grâce aux fonctionnaires. Lorsque ce droit-là, on ne peut pas mettre un fonctionnaire à la dérive. On ne peut pas rendre la vie d'un fonctionnaire misérable. Alors, si tel est le cas, alors pourquoi l'article? Bien. On s'en fout. Merci beaucoup à vous, hein, monsieur Camara, en tout cas, d'être passé dans ce studio, en espérant vous revoir, évidemment. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV tous les matins. On vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, depuis plus de 10 ans. Évidemment que ça continue. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous regardez à la télévision, soit c'est sur évidemment, sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans un instant, nous allons faire lecture de quelques messages, évidemment, que vous avez bien voulu laisser là, avec la complicité de Cabinet Condé. À la une, on s'intéresse à l'actualité. Les Guinéens s'apprêtent à vivre donc les lendemains de Ramadan que le gouvernement leur promet difficile. Il n'y aura aucun choix. Le prix du carburant devrait être augmenté. Difficile de savoir pour l'heure à quel pourcentage, mais les citoyens semblent avoir peu de choix. La demande sociale devient de plus en plus préoccupante. Dans un contexte de crise sanitaire, le président de la République vient de proposer donc l'état d'urgence sanitaire. Donc pour certains compatriotes, leur activité génératrice de revenus n'ont pas encore repris. Comment explique-t-il la situation actuelle? Nous posons cette question ce matin. Le président de l'Union démocratique pour la
renaissance de la Guinée se prête aux questions des GG. Baouri interviendra évidemment sur le dialogue politique social qui a du mal à prendre forme. Avec lui, on va débattre évidemment dans moins de 10 minutes sur Radio Espace Guinée. Et beaucoup de réactions ce matin sur le 657 39 13 13 avec cette première réaction évidemment qui nous parvient de ce monsieur qui nous écrit du côté des États-Unis. Bonjour les GG, merci pour votre émission, bon courage. Malheureusement, le message n'est pas signé. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit du côté de Libreville sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est Bab Doulaye depuis Libreville au Gabon. Il nous regarde forcément évidemment là de ce côté sur Espace TV, soit sur les bouquets Canal Plus ou sur d'autres opérateurs évidemment de ce côté. On va y aller avec quelques réactions sur toujours la plateforme le 657 39 13 13 avec Marouane qui nous écrit également. La mine ne sert à rien de déconstruire donc un cimetière alors qu'à côté donc vit une communauté de douleur et de frustration. La meilleure arme c'est la justice, trouver donc les coupables, punissez-les. Voilà, merci beaucoup Marouane à qui nous souhaitons d'ailleurs bonne chance aujourd'hui parce que c'est son procès, il faut le rappeler. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction. Bonjour la mine, bonjour à toute l'équipe. Le gouvernement a toujours évoqué la possibilité de réajuster donc le prix des produits pétroliers après le ramadan, mais personne ne pourra prouver qu'un ministre a affirmé que cette augmentation interviendra à la date du 1er juin. Cette date a été une invention et spéculation des détracteurs de ce régime. Pendant ce temps, ceux qui ont acheté donc des bidons pour vendre cher peuvent boire ce matin. La fameuse Samaka Dabi qui nous envoie ce message. Toujours original ce garçon. Allez, un célibataire endurci qui va dire oui d'ailleurs, il faut le rappeler, ce mois de juin. Au moins, peut-être on peut le maîtriser de ce côté, si madame en tout cas est capable. Voilà, avant Moussa Makadabi, mariage mondial, il faut le rappeler. Allez, on va rester toujours avec les tweets cette fois-ci sur le hashtag Espace GG. Hashtag Espace GG avec Kabine Kondé, ça a du mal à s'ouvrir. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec notre opérateur. On va y aller d'une minute à l'autre. Voilà, sinon, c'est toujours des réactions sur le 657 39 13 13. On a du mal à ouvrir les messages de ce côté avec Twitter, entre autres, Kabine, qui fait de son mieux pour nous envoyer des messages de ce côté. Et voilà, le hashtag Espace GG. Sinon, vous pouvez visiter un autre page de ce côté, évidemment. Là, avec hashtag Espace GG. Et là, vous avez la possibilité, évidemment, notamment de découvrir les sujets du jour. Nous partons avec Keita Mamadi, Dr K, qui nous écrit. Bonjour les GG. Antoine a toujours un coup de gueule le matin. Je crois qu'on ne doit pas toucher à un cimetière, quelles qu'en soient donc les causes. Pour moi, la population mérite des explications concrètes. L'autorité doit communiquer sur ses actions. Évidemment, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec cette autre réaction, évidemment, qui nous parvient à l'instant T, c'est de Mandenka Sigboga Kamara qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe, je vous aime, je suis à Kolamankambaya. La mine, le gouvernement n'a aucun droit de fermer donc les cimetières au cas où le gouvernement peut-il, est-ce que le gouvernement peut arrêter la mort? Voilà, il se pose la question, j'essaie de reformuler un petit peu. On y va avec Saïkou Marbolé également sur Twitter, les éditeurs fidèles évidemment ce matin. Bonjour les GG, je pense qu'on ne peut pas fermer ce cimetière sans témoin, sans au moins montrer à la population d'où ils vont désormais enterrer leurs morts. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Monsieur Kouyaté également sur Twitter qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. On ne peut pas effacer la mémoire collective d'un peuple en un claquement de doigts. Que les autorités nous disent la vérité. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Youssef Kaba qui nous écrit également, à qui nous offrons d'ailleurs un t-shirt GG ce matin. Youssef, donc tu peux passer à la radio pour récupérer le t-shirt. Les véritables raisons de la fermeture du cimetière de Bambeto restent à élucider afin que les citoyens soit mieux informé. Tout ne peut pas être en catimini. La gouvernance exige transparence et responsabilité. Celle que nous avons servi, celle qui nous sert, voilà, est un mauvais exemple. Voilà, c'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message. On reste avec Condé Français qui nous écrit également sur Twitter, le hashtag Espace GG. Ce recul du gouvernement relativement à l'augmentation du litre de carburant à la pompe semble une patate chaude de ce côté. La sortie de Dr Ousmane Kaba semble la goutte d'eau donc, qui a fait déborder donc, le vase. S'agit-il d'un recul pour mieux sauter? Il se pose la question ce matin. Kani Moussa Français
Condé qui nous envoie ce message. On reste avec Excellence Baldé Le Guinéen qui nous écrit également. Bonjour les grandes gueules. L'État a une fois pris sa responsabilité en maintenant donc le prix du litre de carburant à 9000, même si peut-être c'est un recul pour mieux sauter. Merci beaucoup, mon cher ami. On reste avec Mohamed le politologue également qui nous écrit. Bonjour les GG. Lamine, je suis d'accord avec Daouda Mohamed. Un cimetière ne peut être fermé à tout moment. Quand c'est nécessaire, à un moment donné, il faut arrêter de politiser tout dans notre pays. C'est un message. Koulibaly également, qui nous écrit, le démocrate. Comme le dit l'autre homme, l'homme est un loup pour l'homme. Le Guinéen est prédisposé donc à faire mal à son prochain. C'est des simples spéculations. Il avait commencé donc à vendre le carburant à 15 000. Merci au ministre Diakaria Koulibaly pour avoir rétabli donc l'ordre. Koulibaly, le démocrate, qui soutient un autre Koulibaly, donc ça se comprend, il n'y a pas de problème. Allez, on va rester toujours avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est monsieur Barry Ahmed qui nous écrit. Cette histoire de carburant en Guinée va ressembler donc à l'histoire de pain au Soudan. Suivez mon regard, merci beaucoup. C'est Blaise également qui nous écrit sur Twitter. Le maintien du carburant ne devrait pas être une chose à nous réjouir. Il y a autre chose, voilà, qu'il faut pencher à autre chose. La prospérité partagée n'est pas enfoncer donc le peuple dans le carcan de la souffrance. Un dernier message, évidemment, toujours sur Twitter. Lui, c'est Suleiman Souma qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. L'augmentation du prix du carburant à la pompe ne doit même pas faire l'objet de débat dans un pays sérieux avec la situation actuelle. Tous les gouvernements sérieux cherchent à alléger donc les fardeaux de son peuple. Où allons-nous, se pose la question. Souma, Suleiman, évidemment, qui nous envoie ce message. C'est donc le dernier. Je me tourne là avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, là, Genève. Bonjour les grandes gueules. Amadou Diallo, depuis Genève. Donc, je souhaite que le litre d'essence soit vendu à 50 000 francs. C'est Dieu voilà, qui nous donne le carburant. C'est pas possible. Ils sont très spéciaux, les auditeurs. Allez, merci à vous tous. On va continuer le débat avec notre invité, évidemment, mon cher Jacques, qui s'est déjà installé dans ce studio qui n'est autre, monsieur Baouri, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, Salimafou. Salimafou à vous, monsieur Baouri. Merci beaucoup. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue donc à cette émission, monsieur Ba. Vous avez suivi certainement le développement de l'actualité ces derniers temps. Ça avait beaucoup enflé autour de la question du carburant. Ce matin, on se réveille avec une information non officielle, puisqu'il n'y a pas eu de communiqué là-dessus, à part ce courrier qui circule, qui maintient les prix. Comment est-ce que vous percevez tout ce qui s'est passe, la réaction de la population et bien sûr ce silence du gouvernement jusqu'à ce matin? Bon, vous savez, vous venez de donner, bien que ce soit encore une information non officialisée, mais une information très importante. Si cette information s'avère vraie, cela veut dire que les autorités au plus haut niveau seront obligées de faire un tournant stratégique majeur. Parce que la situation financière de la Guinée à l'heure actuelle est une situation financière extrêmement difficile. Ouais. Et si vous renoncez à certaines mesures susceptibles, a priori, comptablement, d'accroître, disons, les ressources intérieures, il faudra trouver un autre plan pour permettre, malgré tout, de trouver des ressources additionnelles pour permettre. Si je vous suis très bien, vous étiez dans la logique ou dans l'optique de comprendre le choix du gouvernement, c'est ça? Par rapport à l'augmentation du prix du carburant. L'augmentation, c'était tous les trois années, c'est toujours le même discours, c'est toujours les mêmes propos. Ouais. Cela veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas pris en compte les contraintes structurel de notre économie pour dire on en a assez chaque trois ans de se dire le prix du carburant, ça monte, ça descend. Où sont les vrais problèmes pour les résoudre définitivement et permettre à la Guinée d'avoir une évolution stable, harmonieuse dans le cadre de la gestion de... Monsieur Ballage, j'ai du mal à vous suivre. Vous admettez que l'économie guinéenne est au rouge, si on peut se le permettre. Vous dites que si le gouvernement n'augmente pas le prix du carburant à la pompe, il faut trouver une autre poche où il va devoir puiser. Pas simplement une poche. Bon, il faut trouver une autre stratégie. Il faut nécessairement qu'elle soit économique, qu'elle soit politique.
Et de ce point de vue, cela veut dire que si c'est vrai, cela veut dire que tout ce qui a été mis en place jusqu'à présent doit être revisité au regard de la nécessité d'associer la population à travers ses représentants pour la définition d'axes qui émergeront d'un consensus national. Au regard de l'état de santé fragile de notre économie, est-ce que pour vous il était justifiable qu'on augmente le prix du carburant ? Bon, vous savez, d'abord, avant de dire le prix du carburant, l'augmentation est justifiée, il faut se poser la question pourquoi la situation est devenue désastreuse. Durant l'année 2020, la Guinée a vécu avec la planche à billets. Ils ont accru l'endettement du Trésor vis-à-vis de la Banque centrale de près de 5 milliards de dollars uniquement durant l'année 2020. Et rien ne dit que ça ne va pas aller en crescendo. Cela veut dire que vous avez accru les déficits. Cela répondait à quel besoin ? Bon, en 2020, élections ou coronavirus ? Il y a tout est mêlé. Tout est mélangé. Tout est mélangé. Et on n'a pas cherché à recueillir le consensus national pour pouvoir bénéficier, disons, de l'aide bilatérale ou de l'aide multilatérale pour certains programmes. On s'est mis dans la tête qu'on veut faire ce qu'on veut, quel que soit le prix qui sera qui va en découler. Vous savez ce qui s'est passé, je ne veux pas revenir là-dessus. Justement. Et de ce fait, maintenant, il faut payer les conséquences de cela. Justement. Les conséquences de cela, c'est que les finances publiques sont complètement asséchées, la situation politique, elle est crispée, le relatif isolement sur le plan international, déficit de confiance, et vous avez accru encore les difficultés dans un contexte de Covid en fermant les frontières qui font que l'économie nationale, c'est-à-dire la manière dont les pauvres citoyens parviennent tant bien que mal à survivre avec leur agriculture, avec leur transport, avec leur artisanat, vous leur fermez les possibilités d'exister et de faire survivre leur famille. Et vous vous attendez à quoi ? Vous attendez à avoir une situation désastreuse. Face à cela, le président a été lui-même, parce que constatant que l'argent ne venait pas, ne rentrait pas dans notre caisse commune, il a pris son bâton de pèlerin, vous l'avez vu, aller dans les ministères, voir les premiers responsables de régie, signer même avec certains des contrats de performance pour vraiment amener notre économie à se réveiller de tout cela. Vous pensez que c'est au regard de l'échec de toutes ces autres tentatives qu'au finish, il jette son dévolu sur l'augmentation du prix du litre à la pompe. L'augmentation du litre à la pompe, dans un premier temps, si la mesure n'a pas été changée, c'est parce que c'est la mesure habituelle. Dès que les finances publiques sont asséchées, c'est la mesure habituelle. On augmente le prix du carburant parce qu'une bonne partie du prix d'un litre de carburant à la pompe, c'est une taxe qui est reversée à l'État. À peu près à l'heure actuelle, ça doit être de l'ordre de 6 500, au maximum 7 000 francs, le prix du carburant en tant que tel. Tout le reste, ce sont des taxes qui sont reversées d'une manière ou d'une autre à la puissance publique. Donc l'augmentation permet d'accroître les taxes. Et on parle du carburant parce que c'est la denrée stratégique majeure de référence. Vous voyez, au niveau des secteurs de télécommunications, il y a des taxes qui ont été... Également, oui. Justement, nous avons entendu le syndicat dans le... Donc, cela veut dire que partout où il y a des possibilités d'engranger des recettes, il y a eu une action pour l'augmentation de manière mécanique. Or, l'économie ne fonctionne pas comme ça. L'économie ne fonctionne pas. À chaque fois, vous croyez, vous tirez la ficelle, à partir d'un certain moment, elle ne va pas continuer à vous suivre. Elle peut rompre. Et donc, c'est le constat qui a été fait que si on va dans cette direction, au lieu d'avoir des recettes additionnelles, on engrange une spirale de crise qui va engager les syndicats à demander des augmentations salariales. Donc, au lieu politiquement d'aller dans l'augmentation du prix du carburant qui va ouvrir la boîte au Pandore avec des revendications salariales de tous les secteurs, peut-être vaut mieux laisser cela et trouver une autre solution. Parce que l'augmentation dans le contexte actuel du prix du carburant, ipso facto, va encourager
des revendications salariales qui ne seront pas contrôlées et qui, en définitive, vont alourdir les déficits publics. En d'autres termes, vous allez vous retrouver dans un fossé encore plus profond et vous ne réglez pas le problème. Vous avez dit une chose, monsieur Ba, vous avez dit qu'en 2020, ils ont fait la planche à billets, en quelque sorte. En même temps, la question qu'on s'est posée, d'habitude, quand nous organisons des élections, nous faisons l'appel, y a un appui de la communauté internationale, notamment de l'Union européenne et autres, mais les deux dernières élections passées ont été organisées sur fonds propres. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont ces actions qui ont plutôt enfoncé le clou, qui ont fait en sorte d'aggraver la situation, de la crise économique que nous traversons aujourd'hui? Plus que le coronavirus. Bien. De manière générale, dès qu'il y a une élection en Guinée, attendez-vous à l'année suivante qu'il y ait des problèmes. Parce que l'élection telle qu'elle est perçue n'est pas perçue comme une volonté d'organiser le suffrage pour que les Guinéens optent pour tel ou tel ou tel parti. Ouais. C'est uniquement un moyen d'accroître l'enrichissement illicite. C'est une occasion pour certains secteurs de l'administration de s'enrichir et d'accumuler des sommes extrêmement faramineuses sous prétexte qu'il y a élection. Parce qu'on demande à chaque régie des efforts de guerre. Bien, ça a été toujours comme ça. Ça a été bien avant l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir. Avec les autres régimes, ça a été toujours comme ça. Donc c'est une donnée qu'il faut intégrer. Lorsqu'on vous dit pour organiser une élection, il faut 500 milliards ou 1 milliard, c'est absurde. Parce que vous n'allez pas à chaque fois acheter le matériel électoral qui aurait dû être bien conservé pour que l'élection suivante, les caisses qui ont servi à telle élection puissent servir pour telle autre élection. Nous sommes en train de... bref. Ah, allez-y, allez-y au bout, monsieur. Allez-y au bout, monsieur. Deuxièmement, mais vous n'avez pas terminé, premièrement. Au lieu de dire non, bref. Le premièrement, c'était dire que toute élection dans ce pays a servi plus à l'enrichissement qu'à organiser de véritables suffrages universels. Deuxièmement, par rapport à ce que vous dites, le Covid est intervenu. La volonté coûte que coûte de faire le référendum, les élections législatives et la présidentielle, sans pour autant répondre aux exigences de certains partenaires internationaux, avec bien entendu l'assentiment de l'ensemble des forces politiques et sociales du pays, a fait que beaucoup de gens se sont dit, les Guinéens, ils savent ce qu'ils veulent, laissons-les faire, nous n'allons pas intervenir. Oui. Et ça fait perdre des possibilités d'avoir des aides bilatérales pour l'organisation de ces élections. Deux. Trois. Maintenant, dans le contexte de crise, au lieu de prendre en compte cette nécessité, non, on s'est dit, on va faire ce qu'on veut, quoi que ça coûte, et on a accru le déficit avec la possibilité d'une politique monétaire très laxiste qui fait que la Banque centrale, dans une large mesure, à faciliter la faillite financière que nous constatons aujourd'hui. Donc l'un dans l'autre, vous accumulez tout cela avec tout la situation politique qui en est découlée, vous vous retrouvez avec une situation difficile. Et cette situation difficile vous a fait perdre des opportunités d'avoir des aides. Bien sûr. On a perdu le Millennium. Pourquoi ? Avec le projet américain qui aurait pu, si on était dans le cadre d'une bonne gouvernance, permettre d'avoir 500 millions de dollars du côté du gouvernement américain. On s'est isolé, qui fait que même du côté du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, si le Ghana, pour la politique pour contrer le Covid, ils ont eu 1,1 milliard de dollars, et des pays comme la Côte d'Ivoire, près d'un milliard, le Sénégal, je ne sais pas si c'est 800 millions de dollars, un chiffre de ce genre. Nous, qu'est-ce qu'on a eu? On peut avoir quelques dizaines. Donc, c'est pour vous dire qu'on a accumulé de manière globale toutes les difficultés. On s'est enfermé dans notre orgueil pour dire, je fais ce que je veux, tant pis.
Maintenant, pour les conséquences sont là. Bien. Monsieur Baouri, président de UDRG, il est notre invité ce matin. Allez-y, mon cher. Toujours dans le même registre, vous avez, nous avons suivi la sortie médiatique de Sélo Dalen sur la question qui a balayé d'un revers de la main l'argument du gouvernement qui explique une partie de l'augmentation due au fait qu'un prix trop bas chez nous permettrait donc à notre carburant subventionné, entre guillemets, d'être écoulé dans les pays de la sous-région. Elle expliquait que ça n'avait aucun impact sur l'économie, au contraire, puisque c'est un carburant qui est déjà taxé sur le territoire national. Et donc, quand il sort, même bien qu'il sorte de nos frontières pour d'autres pays, ça n'avait donc pas d'impact négatif sur l'économie nationale. Avez-vous la même lecture de la situation ? Bon, je sais que vous savez, dans ce pays, il y a des formes de coulage financier qui existent depuis très longtemps. Oui. Et malheureusement, ceux qui organisent ces coulages sont à des niveaux de responsabilité tels que très souvent, ils ne vont jamais se suicider. Donc, ce système perdure. C'est tout à fait mécanique. Les gens ont besoin de devises. Si vous pouvez écouler le carburant guinéen dans un pays qui a des devises de manière frauduleuse, vous croyez que certains ne vont pas le faire? Donc la question des frontières, surtout les frontières où il y a une quantité de carburant extrêmement importante, c'est-à-dire du côté de la frontière avec le Mali, là il y a un laxisme qui fait que beaucoup de citernes de nom, c'est pour ravitailler les stations de service de la Guinée, mais en réalité, c'est pour... Oui, maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que, à votre avis, lorsque le carburant de la Guinée sort pour aller au Mali ou au Libéria, en Sierra Leone, je ne sais pas, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'économie nationale? Parce que l'argument du gouvernement, c'est bien non, celui-là. L'argument, c'est vrai. Si vous devez satisfaire la demande intérieure et on gonfle la demande intérieure de manière, j'allais dire... En prenant les préoccupations de Maliens, de Sierra Leone en compte. Si vous n'avez besoin que 100 000 litres, ça c'est une idée que je donne, on vous fait croire qu'il vous faut 300 000 litres. En termes de devises, vous devez collecter ces devises pour pouvoir acheter ce pétrole, etc., etc. Même si maintenant, dans la taxation... Vous avez d'une certaine manière un retour, mais c'est un retour artificiel parce que vos charges en tant que dans la dynamique de recherche de devises feraient que, de toutes les façons, c'est comme si vous avez annulé le gain que vous avez obtenu de l'autre côté. Bien, alors, la question est parce que le concept qui diviserait aujourd'hui plus le gouvernement et l'opposition avec toutes les argumentations qu'on a entendues, c'est bien le concept de subvention. D'un côté, le gouvernement, on subventionne à hauteur de tels milliards par mois, et de l'autre côté, on pense que ce n'est pas une subvention, mais plutôt c'est une renonciation à une certaine taxe qui devait être dans les caisses de l'État. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la subvention ou pas de l'État des produits pétroliers? Je pense que, camarades, c'est intéressant dans le cadre d'encourager la polémique. Mais le vrai problème de notre pays n'est pas à ce niveau-là. Le vrai problème, c'est que nous refusons de voir la réalité en face. La politique monétaire de la Guinée, elle est désastreuse. Et cette politique monétaire, depuis très longtemps, n'a pas pu faire prospérer une économie stable. Ce n'est pas la question d'une monnaie nationale qui est posée par rapport à ça. Le Maroc a une monnaie nationale, mais le Maroc a une capacité de gestion de sa monnaie qui fait que la parité est presque équivalente depuis très longtemps avec l'euro. Nous avons l'incapacité depuis l'indépendance d'assumer et de gérer correctement notre monnaie nationale. Et de ce fait, ça c'est le premier paramètre qui fait que même si vous avez de l'épargne dans un pays où ça fluctue au gré des humeurs ou au gré des circonstances que vous ne pouvez pas maîtriser,
Premièrement, nos compatriotes se réfugient dans la terre, ou se réfugient dans l'immobilier, se réfugient dans l'or, et d'autres se réfugient en gardant leur épargne à l'étranger sous forme de devise. Ça, c'est un manque à gagner extrêmement important pour le pays, parce que le pays n'arrive pas à avoir, de ce point de vue, en termes de, au niveau de sa balance de paiement, les moyens d'entretenir et d'encourager le rapatriement des devises pour aller dans le cadre de l'investissement. La politique monétaire est mauvaise. La politique budgétaire, elle est encore beaucoup plus déficiente parce que au lieu de chercher à accroître l'assiette sur laquelle vous allez appuyer les taxes et les impôts, vous vous contentez comme une culture de rente sur deux ou trois ou quatre en disant de toutes les façons, si j'ai des problèmes, j'augmente le prix du carburant, automatiquement ça rentre, j'ai ce qu'il me faut. Or, ce qui prévalait il y a 40 ans n'est plus le même aujourd'hui. Vous avez une population de plus en plus jeune, exigeante. Vous avez une demande sociale qu'il faut satisfaire, etc., etc. Donc la manière dont les anciens dirigeants fonctionnaient ne peut plus être aujourd'hui. Nous sommes dans un monde complexe avec des besoins nouveaux, avec la nécessité de faire face à des situations que les anciens ne voyaient pas ou minimisaient. Puisque l'état du pays n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui et le monde n'est pas ouvert comme il est aujourd'hui. Et si vous continuez à gouverner la Guinée avec les idées d'il y a 40 ans, il va de soi que vous êtes déphasé. Et les autorités actuelles, et ceux, très souvent même ceux qui se disent... Les grandes gueules. La plupart sont totalement déphasés parce qu'ils sont en manque d'idées, ils sont ancrés dans le passé... Ils ne se projettent pas à l'avenir, alors que ce pays a besoin de s'ouvrir, ce pays a besoin de répondre à des questions nouvelles. Malheureusement, au niveau du top leadership, on ne sent pas cette nécessité. De temps en temps, il y a des discours lumineux qui font référence à ça, mais en dehors de cela, il n'y a pas de manière pratique, stratégique, une ligne de fond qui va dans ce sens. Monsieur Ba, permettez que j'aborde un autre sujet qui concerne le Sénégal que vous connaissez très bien. Vous y avez vécu pendant des années. Ça fait 8 mois pratiquement que la Guinée et le Sénégal ont leurs frontières fermées. J'ai envie de vous entendre sur ce qui se passe à la frontière. Quelle information vous avez sur les raisons véritables pour lesquelles elles sont fermées et les conséquences sur le terrain? Est-ce que vous y avez... vous y êtes penché un peu? Non, c'est une préoccupation que nous formulons. Parce que c'est vraiment un désastre. Ouais. Notre économie est complètement en train d'être tuée. Nos agriculteurs ne savent plus à quel sein se vouer. Surtout les agriculteurs et surtout des jeunes qui se sont investis dans l'agro-business. Ils ne savent plus que faire. Est-ce que vous comprenez les raisons avancées par l'État guinéen pour la fermeture? Les raisons sont d'ordre politicien. Vous savez, la frontière avec le Sénégal, avec la Guinée-Bissau, avec la Sierra Leone, a été fermée dès le mois de septembre dans les perspectives de l'organisation des élections présidentielles. D'habitude, on fermait les frontières le jour de l'élection, là, bien avant septembre. Et donc, dans cette perspective de faire croire que le pays est menacé, et malheureusement, il faut le reconnaître, beaucoup de nos compatriotes, surtout dans le cadre des réseaux sociaux, sont de ce point de vue très légers dans l'expression, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font. Et donc tout ça est collecté pour faire croire l'imminence d'une agression contre ce pays. Alors qu'en réalité, il n'y avait rien du tout. Les grandes gueules. Mais malheureusement, le président et son entourage sont tombés dans le piège. Est-ce que c'est sciemment fait ou est-ce que ça les arrange? Lorsque vous dirigez un pays, vous avez des services de renseignement. Ouais. Vous avez des forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas besoin de fermer les frontières, de faire un blocus pour savoir quelle est la réalité. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ce n'est pas fondé? Mais il y a un rapport qui a été produit dans ce sens-là, Antoine, hein, si je me souviens très bien. Hein, en ce qui concerne la politique arrêtée, les opposants, effectivement. Notamment.
De toutes les façons. Qu'ils ont fait fuiter, hein, je parle du gouvernement. Des grandes gueules. Ils l'ont rendu public. Moi, je ne crois pas. Ouais. Je ne crois pas à cette thèse. Parce que je sais, quoi qu'il en soit, le Sénégal a déjà des problèmes. Ils veulent sécuriser la frontière avec la Guinée-Bissau pour faire taire les armes du côté de la Casamance. Ouais. Ils ne vont jamais engager quoi que ce soit qui pourrait déstabiliser la Guinée à partir du Sénégal. Ouais, vous êtes bon, maintenant, du côté de la Guinée-Bissau, c'est des questions d'humeur. Diplomatiquement, on peut gérer ça. Mais si chacun s'enferme dans son orgueil et fait croire que demain le monde va être complètement renversé, non, je pense que ça a manqué de lucidité, ça a manqué de tempérance. Et malheureusement, au lieu d'aller dans le sens d'apaiser, on aime enflammer. Et quand vous parlez d'humeur, c'est entre Mbalo et Alpha Condé, je suppose. Mais l'humeur aussi peut se trouver du côté du Sénégal, quand on sait que Macky Sall, d'aucuns estiment qu'il a soutenu celui d'Alain Diallo lors des élections présidentielles. Alors, est-ce qu'Alpha Condé, le fait que Macky ne l'ait pas soutenu pour son troisième mandat, quelque part ne règle pas des comptes en fermant sa frontière d'avec au-delà de ça, les gadgets, une bonne partie des gadgets... De l'UFDG ont été bloqués à la frontière. Non, ça a été fait au Sénégal, une bonne partie. Ouais. Mais vous savez, lorsque vous dirigez, il faut prendre du recul. Où se trouve l'intérêt national? L'intérêt national, c'est de prendre une mesure contre un adversaire politique qui risque de t'entraîner dans le sillage où tu risques de te noyer, ou bien c'est d'avoir une attitude distancée pour dire où se trouve l'intérêt national. Qu'est-ce que je dois faire? Et de ce point de vue, lorsque vous êtes à la tête d'un pays, vous avez une multitude d'informations. Et je sais qu'il y a des échanges d'informations entre les autorités sénégalaises et les autorités guinéennes, surtout en ce qui concerne la sécurité. Au niveau de la CDAO, il y a des échanges, il y a des réunions régulières pour partager des informations stratégiques qui peuvent aller dans le sens de la déstabilisation. Donc, de ce côté-là, c'est purement politicien tout ça. Malheureusement, on est en train de faire souffrir le pays. On est en train de faire souffrir la population. On est en train de détruire des familles de ce point de vue. Ouais. Et on a insisté depuis des mois et des mois pour que la Guinée, pour l'intérêt national, revoie la question de la réouverture des frontières le plus rapidement possible. C'est quand même une situation un peu aberrante parce que l'ambassade du Sénégal sur le territoire guinéen est encore ouverte, donc de façon officielle. La Guinée entretient encore une relation étroite avec et Air Sénégal également vient à Conakry. Donc c'est quand même ahurissant. Même envoyé un mot lors de la fête de l'indépendance du Sénégal. Permettez-moi d'être beaucoup plus précis. Vous savez, il y a des mentalités dans ce pays. Quelle que soit votre bonne volonté, si vous ne faites pas preuve de retenue, ils vont vous engager dans une voie où ce sont les questions sécuritaires. Comme il y a 50 ans, avec des budgets énormes qui vont être réorientés vers des secteurs liés à la sécurité au détriment du pays. On a perdu le tournant des années 90 jusqu'en 2003 avec la question de la sécurité aux frontières avec la Sierra Leone. Et tout était justifié sous prétexte qu'il y a des guerres civiles aux pays limitrophes, donc le coulage financier, la mauvaise gouvernance locale, les manques en termes de politique ou des droits de l'homme, c'est tout été du fait de l'insécurité au niveau des frontières. C'est vrai, il y avait de l'insécurité, mais ce n'était pas aussi, ça ne pouvait pas justifier tout ce qui a été fait durant pratiquement 13 années. Et à partir de ce moment-là, la Guinée a perdu l'avantage qu'elle avait eu avec les réformes du 22 décembre 1985, 86, 86, 87. À partir de 90, on a coulé. 2000, au lieu de rectifier les choses, on a encore plongé avec le coudéisme. Il faut laisser le président Alassane Conté terminer son mandat. Vous savez ce que ça a coûté en termes de vie, en termes économiques, en termes de mauvaise gouvernance. Il y a même un ministre des Finances qui disait « Bon, lorsque le franc guinéen glisse, cela veut dire que l'économie guinéenne se porte bien. »
Quelle est l'aberration? Quel ministre a dit ça à l'époque? Bon, paix à son âme, il n'est plus de ce monde okay. aujourd'hui. Pensez-vous qu'on a induit le président Condé en erreur? Ouais. Mais vous savez, à lui de savoir, puisqu'il était opposant, comment il s'est retrouvé dans les rapports des services de renseignement à tout bout de champ comme étant celui qui déstabilise, celui qui a des troupes ici, celui qui a des troupes là. Il doit comprendre cela et ne pas tomber dans le donc piège. Donc on l'enfume avec des complots montés de tous les bords de la frontière. Bien entendu. Et peut-être ça... Peut-être que ça l'arrange aujourd'hui. Non, c'est... Bon. À sa place, qu'auriez-vous fait quand vous avez un tel fauteuil bien doré, serti d'or, on vous dit, serti de diamant, on vous dit que à vos frontières, il y a un opposant ou tel opposant qui a scellé une alliance avec tel groupe et il se pourrait qu'il vous déstabilise. Vous auriez fait quoi? Justement, il a suffisamment d'informations et de renseignements pour savoir si c'est fondé ou si ce n'est pas fondé. Justement. Donc, étant... ça demande autour du président des esprits lucides et non pas des esprits qui sont des va-t-en-guerre ou bien des esprits qui se disent « Ah, on va encourager cela, ça nous permet d'engranger des ressources sans pouvoir les justifier dans le cadre de secret défense. » Regardez la situation au Mali et la situation, surtout la situation au Mali. Une bonne partie des difficultés que le pouvoir malien a, c'est la gestion des fonds alloués à la sécurité, à la défense. Tout est lié à cela. La question d'argent, il y a des gens qui ne reculent devant rien. Rien, évidemment. Ça, on pour le sait. Encourager leur pays surtout à prendre des chemins. Dans un secteur où il n'y a pas d'audit. Bien entendu. Ouais. Mais Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.